Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur Game Dev Alliance. Aujourd'hui, je vais vous montrer un logiciel que vous connaissez peut-être pas, ça s'appelle Pico8, et c'est à mi-chemin entre un moteur de jeu et une console, puisque vous pouvez jouer aux jeux des autres et créer les vôtres. C'est vraiment idéal si vous souhaitez apprendre à programmer, que vous n'avez jamais fait de jeu et que vous voulez apprendre avec moi, ou alors si vous faites déjà des jeux, mais que vous avez besoin de stimuler votre créativité, de tenter des choses nouvelles. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir. Déjà, ce qui est cool avec Pico8, c'est que vous pouvez jouer aux jeux des autres, comme je vous le disais. Si vous allez dans le menu Explore, vous pouvez voir tous les nouveaux jeux qui viennent de sortir, ou alors ceux qui sont mis en avant par les créateurs. Et du coup, il y a beaucoup d'idées différentes. Vous allez voir, il y a des jeux qui sont plus ou moins finis. Il y en a qui sont un petit peu buggés, qui sont pas très bien finis. Il y en a d'autres qui sont déjà très complets et très intéressants. Mais dans tous les cas, c'est plein de petits jeux avec des idées différentes. Tenez, si on va dans mes favoris, j'en ai sélectionné un qui est sympathique, qui a des petites idées dedans. C'est un jeu où vous pouvez récupérer des crânes comme ceci, et ensuite vous les faites spawner sur la carte, et ça vous fait apparaître des zombies. Mais vous devez réussir à pas vous faire toucher par les zombies et avancer dans le jeu. Donc voilà, une petite idée comme une autre, comme il y en a plein sur le Explore. Et ce qui est vraiment bien avec Pico8, c'est que si vous faites juste échappe, vous êtes dans le jeu, vous êtes dans le code du jeu. Vous pouvez voir comment il a fait son truc, si vous posez la question. Vous pouvez voir tous ses sprites, vous voyez qu'il a fait pas mal d'animations pour chaque élément. Vous pouvez aller dans l'éditeur de map, voyons voir, la map est ici, vous voyez. Vous pouvez voir la map du jeu. Et puis, vous pouvez aller dans l'éditeur de son, puisque dans Pico8, on dessine le son. Il n'y a même pas vraiment besoin de s'y connaître en musique. Par exemple, il y a ça. Et on peut voir ce que ça donne en musique, une fois qu'il a assemblé plusieurs sons ensemble dans ce menu. Pas mal, non? Moi, je trouve ça plutôt stylé. Et donc, je vais vous montrer, sans plus attendre, comment faire un premier truc où on déplace un personnage, pour que vous ayez un feeling du logiciel avant de l'acheter, ou non. Donc, je vais redémarrer le jeu, Pico8, pour oublier la cartouche précédemment chargée. Alors, on va dessiner un petit sprite. Voyons voir. Là, vous voyez qu'en fait, sur l'écran de dessin de sprite, vous avez que 16 couleurs à droite. Et pas une de plus, pas une de moins. C'est une des grandes limites de Pico8. Et vos sprites font 8 pixels de largeur. Même si vous pourriez dessiner des plus grands sprites si vous souhaitez. Et donc, Pico8, c'est plein de petites limites comme ça. Qui vont faire que ça améliore votre créativité dans le sens où vous pouvez pas vous poser 1000 questions. Vous voyez, un pixel artiste de génie, il pourra jamais faire un truc beaucoup plus impressionnant de vous, parce qu'il a la même petite résolution et les mêmes petites couleurs. Donc maintenant qu'on a un petit bonhomme, vous pourriez aussi dessiner un tile d'herbe. Par exemple, hop, je vais faire de l'herbe avec des petits brins d'herbe. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aller dans l'éditeur de map. Et là, vous pouvez dessiner votre carte. Alors vous pourriez mettre des arbres, des trucs comme ça, ce que vous voulez. Et maintenant, on va essayer d'afficher notre personnage dedans. Alors, pour ça, c'est plutôt simple. Vous faites CLS pour vider l'écran, vider l'image en remplissant l'écran de noir. Puisque par défaut, Pico8 ne fait qu'afficher les choses par-dessus les autres. Et donc à chaque frame, à chaque image par seconde, vous avez envie de remplir l'écran de noir pour oublier l'image précédente. Ensuite, on va dessiner la map. On va la dessiner à l'endroit où, pardon. On va la dessiner à l'endroit par défaut, donc tout en haut à gauche, voilà. Et on va afficher le sprite numéro 1. Vous pouvez savoir que c'est le numéro 1 parce que c'est écrit là. Au milieu de l'écran. L'écran fait 128 pixels de large et de hauteur. C'est un écran carré. Donc je l'affiche au milieu. Et voilà. On a notre petit personnage. Alors, j'ai pas rempli toute la map d'herbe. Attendez, si je me déplace un peu vers le bas, ah oui, voilà. Je vais faire un petit remplissage d'herbe. Ok. Maintenant, si on veut déplacer notre personnage, il va falloir qu'on fasse un petit peu plus de choses. Dans Pico8, vous avez trois fonctions principales. Vous avez la fonction init, qui se joue juste une fois au début du jeu. Donc, vous allez y mettre toutes les valeurs de base, genre le point de vie de départ de votre héros, ou sa position de départ. Et c'est ce qu'on va faire ici. Au départ, notre personnage sera à 60 en X et à 60 en Y. Ensuite, vous avez la fonction update. Hop, excusez-moi.
Update qui se joue 30 fois par seconde. Et c'est là que vous allez mettre toute la logique de votre jeu. Par exemple, si j'appuie sur le bouton de droite, comme ceci, je fais x plus égale 1. Donc j'avance x vers la droite. Et si je fais fonction draw, cette dernière fonction principale de Picobit, c'est la fonction dans laquelle on va mettre tout ce qui affiche les graphismes. Donc ce qu'on avait mis avant, afficher notre map et afficher notre sprite. Et vous allez me dire, si vous suivez bien, pourquoi avoir update et draw séparés? Puisque les deux se jouent à la suite en fait. Sur une frame, ça fait update, draw, update, draw, update, draw, 30 fois par seconde. En fait, si on les sépare, c'est au cas où ça ramerait. Si jamais vous affichez des graphismes trop complexes et que votre draw commence à ramer, et ben il va se jouer que 15 fois par seconde, mais update va continuer à se jouer 30 fois par seconde pour compenser, pour que votre gameplay se joue toujours à la vitesse normale, même si l'affichage rame un peu. Donc vous voyez, il l'adapte, c'est pour ça qu'on sépare les deux. Et maintenant, si on joue... Tiens, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, je suis bête. Ici, j'avais mis 60 et 60. Et en fait, il faut qu'on utilise les variables x, y qu'on a créées ici. Et maintenant, voilà, on fait varier notre x en appuyant sur la flèche de droite. Donc, on peut avancer. Alors, on peut faire ça pour toutes les touches. En fait, pour afficher ces glyphes, là, par exemple celui-ci, vous faites Shift L pour left. Et donc là, je vais faire x moins égal 1. Si on va vers le bas, donc c'est Shift D pour down, et c'est y plus égal 1. Et si on va vers le haut, hop, Shift U pour up, y moins égal 1. Au cas où vous ne sauriez pas, c'est pas comme à l'école en mathématiques, les coordonnées de Picobit et des jeux en général, le 0 en x et y qui commence ici en haut à gauche. Et si vous allez vers là-bas, vous augmentez en x. Et si vous allez vers le bas, vous augmentez en y. C'est pour ça qu'on fait ça dans cet ordre-là. Donc, si on récapitule, on a affiché un personnage qui bouge et sa map en une ou deux minutes, je pense. Ça allait vraiment très vite. Et c'est ça qui est bien avec Picobit, c'est que le code est très simple, ce qui fait que vous allez pouvoir apprendre à programmer très facilement, et aussi quand vous essayez des gameplays, bah, vous aurez un résultat très très rapidement. Et donc, vous pouvez vraiment vous concentrer sur l'expression de votre gameplay. Le créateur de Picobit appelle ce logiciel une fantasy console. En français, ça ferait console imaginaire. Imaginez que vous avez un émulateur de Nintendo DS, par exemple. L'émulateur, il va jouer que les jeux DS. Il va essayer d'imiter la machine de la DS, donc c'est sa résolution, ses limites techniques, et ça va pas vraiment plus loin. Bah, Picobit, c'est un peu pareil. C'est comme si vous aviez une fausse console qui aurait existé et qui aurait ses propres limites, sa propre résolution, ses propres couleurs et ses propres cartouches. Si vous faites save monjeu.png, on va d'abord en jeu appuyer sur F7 pour prendre un screenshot de notre jeu, et ensuite on fait ça. Et ben, vous avez une cartouche, c'est juste une image, mais elle contient toutes les données de votre jeu. Si vous l'ouvrez dans un autre Picobit, là-dedans il y a tous vos sprites, il y a toutes vos musiques, tout votre gameplay, juste dans cette image. C'est de la magie, c'est vraiment super bien fait. Et c'est même pas le plus cool à propos de Picobit, parce que vous auriez peut-être envie de partager votre jeu à des gens qui n'ont pas Picobit. Et pour ça, vous pouvez exporter votre jeu pour Windows, pour Mac, Linux, mais aussi pour navigateur web. Vous pouvez ensuite le mettre sur n'importe quel site, il y a des sites exprès pour accueillir vos jeux, et on peut même y jouer sur mobile, il y a une interface spéciale pour mobile. Donc, vous voyez, vous pouvez très facilement faire des petits gameplays en quelques minutes ou quelques heures, et les partager à tout le monde super facilement. Mais, c'est même pas vraiment la chose la plus cool à propos de Picobit. Le truc qui est vraiment bien, et qui va faire que vous allez avancer très loin avec ça, c'est la communauté en fait. Si vous allez sur le forum, vous allez avoir plein de gens qui montrent des petites démos, des tutoriels. Par exemple, vous voulez faire un système d'explosion. Bah, vous pouvez aller chercher sur le forum un système de particules, vous allez avoir quelqu'un qui met la démo sur le web et qui en même temps explique. Et sur le forum, toutes les démos qui sont publiées, vous pouvez en récupérer le code. Et comme le code des jeux Picobit est assez simple et court,
puisqu'il y a une limite de taille dans les codes des jeux Pikovit, vous pouvez le voir en bas à droite dans mon interface. Ce qui fait que les codes seront jamais gargantuesques et super compliqués à lire, vous pouvez toujours en tirer quelque chose et apprendre, et vous allez avancer beaucoup plus vite, vous allez faire tellement plus de choses que si vous étiez simplement tout seul sur votre petite console. Donc, si ça vous a intéressé et que vous avez envie de suivre ces tutos avec moi, vous pouvez acheter le logiciel sur le site officiel, c'est 15$, vous pouvez le payer par carte bancaire, par PayPal, et ça vous permet de soutenir le créateur qui permet de faire vivre toute cette communauté, qui est vraiment la force de Pikovit, en plus que le logiciel ait un certain charme. Et d'ailleurs, au passage, si vous avez acheté le bundle de Itch.io pour Black Lives Matter, vous avez Pikovit dedans, donc vous pouvez aller le chercher, et sinon vous pouvez aller sur le site officiel. Il y a des gens qui diront, pourquoi je ferais mon jeu avec ce petit machin? Pourquoi je ferais pas mon jeu sur Unity qui est bien plus puissant? Et c'est vrai, ce truc-là est pas fait pour remplacer Unity, c'est plus un truc à côté, en bonus, pour faire des choses différentes. Parce que sur Unity, vous pourriez être tenté d'ajouter toujours plus de contenu à votre jeu, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Et surtout, vous aurez beaucoup plus de mal à peaufiner votre jeu, à le rendre jouable, parce qu'il y a plus d'étapes, il y a plus de paramètres à régler avant d'avoir un vrai bon jeu qui a de la gueule. Pikovit, ça vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et avec le style graphique, n'importe qui peut produire un petit jeu charmant avec 3 pixels. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité, comme je vous disais. Et donc, dans ces tutoriels, on va apprendre à faire deux jeux différents. D'abord, je vais vous apprendre à faire un shooter spatial, et après, un jeu d'aventure, avec un système de dialogue, d'exploration, etc. Et les deux vous apprendront des choses différentes, ils sont assez indépendants, donc vous pourriez les faire dans l'ordre que vous voulez, même si je vais commencer par sortir les vidéos sur le shooter. Et ensuite, lorsque vous mélangerez les connaissances que vous avez apprises dans les deux, vous devriez pouvoir faire des choses assez sympathiques. Donc je vous retrouve dès demain pour le premier tutoriel, ou même dès maintenant si vous êtes membre soutien de la chaîne, les tutoriels vont sortir en avance tout au long de la série. Si vous êtes membre soutien, c'est le bouton juste à côté pour s'abonner. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et à très vite.